Je suis très heureux de participer avec vous pour cette prière pour notre pays. En effet, à la fête de la Saint-Louis, c'est un moment traditionnel pour prier ensemble pour notre pays, et spécialement ces jours-ci, alors que notre pays est éprouvé par la double crise sanitaire et écologique qui conduisent toutes les deux à une crise économique majeure. Je pense surtout au peuple de Maillebourg et des villages de la côte sud-est, pour qui la marée noire n'est pas seulement un désastre écologique, mais un désastre humain. La mer, pour eux, c'est leur gagne-pain, et plus encore, c'est leur lieu de vie, leur passion. Avec le lagon dévasté, c'est toute une vie, toute une culture qui s'effondre. Je salue les initiatives du gouvernement pour gérer la crise sanitaire, pallier la crise économique et faire de son mieux devant la catastrophe qu'a constitué pour nous le naufrage du Vacacho. Cette épreuve a aussi déclenché un beau sursaut patriotique de la part de la société civile qui a su déployer une grande générosité, une capacité de mobilisation et d'organisation et une belle solidarité. Un tel sursaut nous rappelle combien le rôle de la société civile est vital dans un pays et comment il doit être tenu en ligne de compte par les décideurs économiques et politiques. Ce n'est qu'en nous écoutant mutuellement que nous pourrons surmonter ces crises et construire ensemble le bien commun de notre pays. Je vous invite tous à prier aujourd'hui pour que le Seigneur nous donne de vivre ensemble une vraie fraternité soucieuse du bien commun.